Nathalie. Ça va? Oui, ça va. Extra. Ça va pas mal. On va voir notre travail. On va voir notre travail. Oui, oui. Ah bah oui. Au village, on a un peintre, c'est Lucas Dublin. C'est à partir de la rencontre d'un vernissage à moi que, quelque part, ça a donné une relation entre une artisane d'art et puis un artiste peintre. Et puis, on a eu l'occasion de travailler 2-3 fois ensemble pour des occasions particulières, pour faire une crèche pour le calendrier de l'Avent du village. Et on a aussi travaillé pour faire une exposition ensemble. 2010 qu'on a fait tout ça. Oui. Ouais. Puis tu te rappelles comme c'était difficile de mettre les bonnes couleurs sur la terre? Ah oui, oui. Tu sais, je faisais les dessins. Je te demandais, est-ce que ça va aller comme ça? Tu as dit, bon, il faut essayer. Ouais. Oui. Puis des fois, tu étais contente, puis des fois, ça n'allait pas, hein? Ah, souvent, ça irait pas tellement bien, parce qu'il y a des différences entre l'esquisse et l'original. Le papier puis la terre. Oui, 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 oui. Lucas, oui, oui. Il est très, très réfléchi puis très recherché pour la couleur et puis les nuances des couleurs et puis pour l'exactitude avec sa structure et puis tout. Et puis, dans cette démarche, pour lui, c'était très, très compliqué. Hein, parce que chaque fois que la pièce sortait du four, quelque part, il était déçu. J'étais avec les vaches sur les terrains, moi, comme garçon. Ouais. Les couleurs, ils se développent dans le feu. Et puis 5 ou 10 degrés de plus ou de moins dans le four, les teintes, ils changent. Tu peux rien corriger dans la céramique. Ouais, hein. Quand c'est comme ça, c'est comme ouais, ça. Ouais, 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 ouais. Quand tu es peintre, tu peux toujours encore donner une couche, tu peux toujours encore corriger. Des années après, tu peux encore corriger. Mais le potier, il y a le saut dessus, puis c'est fini. Ah, bah oui, elle est belle, là. Elle a un peu changé, hein? Oui. Elle a un peu changé. Oui. Oh, j'ai un peu arrangé encore les couleurs pour que ça soit plus unique. Parce que c'était quand même... Je ne suis jamais complètement content quand je fais quelque chose. Mais je pense que le volume, on le voit bien avec l'enfant Jésus. Parce que lui, il m'a dit, je sais comment je veux faire mon enfant Jésus. Tourne-moi un objet, je dis maintenant comme un obus. Hein? Et puis je lui ai fait, et puis je lui ai donné. Et puis sur cet objet, il a dessiné cet enfant qu'on a l'impression qu'il bouge et puis qui se met bien dedans. Hein? Et puis si chacun il est artiste de son côté, chacun il a sa tête et puis chacun il a l'idée comment ça devrait être. Et puis des fois ça frotte et puis des fois ça réussit.